Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre les messages pour votre vendredi. Alors, ce sera des messages qui pourront commencer, débuter dès ce vendredi et glisser un petit peu sur le week-end aussi, samedi, dimanche. Donc on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre pour aujourd'hui, tout de suite maintenant. Alors comme toujours, vous faites bien preuve de discernement, je ne sais jamais sur quoi ça va porter, on découvre toujours tout cela ensemble. C'est du général, donc vous faites bien preuve de discernement. Et on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre. De si bon matin, j'ai écrit, comme toujours, pour vous. Voilà. Avec mon papier spécial Noël. et voilà. Donc je vais vous transmettre tout cela. On va faire un énorme partage tous ensemble. Alors, je ne sais jamais sur quoi ça va porter. Hein. On découvre toujours tout cela ensemble. Je prends donc ce magnifique oracle à niveau avec celui-ci. On va voir quel est l'ange qui sera auprès de vous, son précieux conseil. On va voir. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et on y va. C'est l'ange Océane aujourd'hui qui sera auprès de vous et durant votre week-end. Et elle vous recommande d'agir. On vous recommande d'agir ce week-end. De ne pas vous retenir et d'agir. De réagir, d'agir, de vous actionner. Parce que pour moi, vous savez vraiment ce qui est juste dans la situation dans laquelle vous êtes. Et on vous, voilà, affirmez-vous aussi, vous devez peut-être un petit peu plus vous affirmer ou alors vous affirmer davantage et croire en vous aussi, croire en vous, croire aussi en la vie, croire en votre bonne étoile. Je vais prendre ce magnifique oracle à ma main avec celui-ci. Allez, c'est parti, hop, on y va. Il y en a trop. Un message. Celui-ci. Alors, là, il y a une mutation. Durant ce week-end, aujourd'hui et ce week-end, vous allez être en pleine mutation. Il y a une guérison. Vous êtes guéri pour moi. Vous allez être rempli de très très bonnes énergies après cette guérison. Vous allez vous sentir en pleine forme, en pleine santé, en plein bien-être. Et vous allez avoir aussi beaucoup d'énergie créatrice en fait, pour créer plein de choses dans tous les domaines de votre vie, pour créer beaucoup beaucoup de choses. Et vous allez recevoir une aide dès à présent à agrandir votre vision de la vie aussi. On va prendre ce magnifique oracle, on va voir avec celui-ci. Alors, aujourd'hui, durant ce week-end, ayez le courage d'explorer votre potentiel et aussi de déployer vos ailes. Durant ce... Voilà, déployez vos ailes. Méditez, observez aussi. Et savourez l'instant, le doux présent de cette journée, le doux présent aussi de ce week-end. Vous allez être peut-être que vous avez perdu un petit peu de courage, hein, on en perd tous un petit peu des fois parfois, et là vous allez en retrouver énormément ça va vous permettre d'explorer votre potentiel. On vous recommande de méditer et d'observer aussi. S'il y a des choses, si vous posez des questions, si vous savez pas trop comment agir, si vous attendez une réponse, si vous attendez une solution, si vous attendez que quelque chose se déverrouille à vous. On vous recommande de méditer et d'observer aussi. Alors, ça peut être une situation, ça peut être des personnes, ça peut être... Ok. Alors, on va prendre ce magnifique... Le tarot des anges gardiens, on va voir le message. Le précieux conseil que vous avez à recevoir. Celui-ci, on découvre. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et soyez positif aussi quant à l'avenir. Donc soyez positif quant à l'avenir. Et ne soyez surtout pas trop dur avec vous-même. On vous dit que c'est inutile. Il ne faut pas vous inquiéter. Peut-être que vous imaginez... imaginez du positif. Parce que là, peut-être que vous imaginez du négatif. Mais c'est trop négatif, hein, cette fête. C'est vraiment un déséquilibre. Donc il faut vraiment rééquilibrer ça. Et il faut vraiment plus imaginer le pire que le positif, que des miracles.
Parce qu'en fait, ça, tout cela, ça peut que vous desservir. En tout cas, vous avez vos anges gardiens qui sont là pour vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Donc, dès ce vendredi, surtout ce vendredi-là, ils vont être là. Et si vous avez, vous trouvez pas de solution à vos problèmes, un ou plusieurs problèmes, ça arrive. Patience, ça arrive. Et si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur vraiment de vous aider à y voir plus clair. D'accord? Bien. Alors, je vais vous transmettre donc message que j'ai écrit. Alors, on parle de la possibilité d'accélérer, je vois un déménagement dès aujourd'hui. On parle d'une proposition dès aujourd'hui. Je vois que vous allez recevoir une proposition dès aujourd'hui. On parle d'un souhait qui va se réaliser. Et en fait, la proposition qu'on va faire liée à ce déménagement, en fait, ça va être fait d'une certaine manière. Ça arrive d'une manière, cela arrive à vous d'une certaine manière. Et en fait, la manière dont cela, ça arrive, ça va vous surprendre. Vraiment. Et vous allez avoir la possibilité, voilà, d'accélérer un déménagement. Alors, ça peut être un déménagement seul, mais là, ça peut être un déménagement avec une autre personne, hein, dans votre sentimental, pour moi. Alors, le deuxième message que j'ai écrit de si bon matin pour vous. Alors, on me parle d'un cadeau. Je vois le cadeau d'un grand-parent pour moi. C'est un grand-parent qui est décédé. Je vois un cadeau de sa part qui arrive. On parle d'une enveloppe. Ça va être une enveloppe de sa part. C'est une enveloppe que l'un de vos deux grands-parents, en fait. On gardait précieusement en fait cette enveloppe et on vous l'a jamais donnée en fait. Ou alors l'un de vos deux grands-parents n'ont pas le temps de vous le donner. Et en fait c'est l'un de vos deux grands-parents, c'était un pour moi c'était un grand-père et une grand-mère. Votre grand-père était décédé, votre grand-mère était là, mais en fait c'est comme si en fait, cette grand-mère avait fait une enveloppe pour vous, ne vous l'a jamais donnée ou n'a pas le temps de vous le donner, mais en fait aussi, c'était en accord avec votre grand-père, en fait. Donc c'était, vous voyez, ça peut remonter à des années, vraiment à des années. C'était en fait, avant que votre grand-père décède pour moi, ils s'étaient mis d'accord, en fait, sur le fait qu'ils devaient vous faire une enveloppe, en fait. Voilà. Alors ça peut être une enveloppe avec dedans il y aura du financier, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi une enveloppe avec un écrit de votre grand-père, un écrit de votre grand-mère. Il y a des choses. Il y a des choses dans ce courrier aussi. Et je vois que vous allez pouvoir réaliser deux de vos souhaits. Prenez bien soin de cet argent. De cet argent, de cette enveloppe, de tout ce qu'il y aura dedans, en fait. Peut-être qu'il n'y aura pas de financier. Mais en tout cas, c'est très précieux. Et voilà. Et je ressens qu'ils vous disent qu'il faut que, voilà, que vous preniez bien, bien soin de tout cela. Voilà. Ok. Bien. On va prendre un message avec ce magnifique oracle. Et on va voir un petit peu message carte du jour que je peux vous transmettre. Alors ici, on parle de lenteur, de retard. Pour un homme, on est dans la lenteur, dans des retards, et ça ne nous apporte pas de joie. Hein. C'est
On n'en est pas content, en fait, d'être dans des lenteurs, dans des retards. Mais là, je vois que les lenteurs et les retards vont se lever. Vous avez une voie toute tracée. Là. Vous voyez, la route, elle va se... Vous voyez, tout va se dégager, en fait. C'est lié à un projet que vous avez. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Et il y a de la légèreté dans ce projet. Vous allez retrouver toute une légèreté après de l'inconstance, des lenteurs, des retards qui vous rendent triste. En tout cas, vous avez une voie toute tracée. Tout va s'ouvrir à vous, là. Durant cette pleine lune, il y a un projet sentimental et ou professionnel. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en pleine dévastation, en pleine dépression. Vous pouvez avoir un petit garçon. Jouer une autre femme autour de vous. C'est peut-être cette autre femme qui vous met dans une dévastation, dans une dépression. En tout cas, je vois aussi une perte d'ancrage et de stabilité dans votre vie, de manière générale, un peu dans le tout. Hein. Mais vous allez retomber dans la légèreté. Dès qu'en fait la route va devenir comme ça face à vous, forcément, vous allez reprendre un projet dans la légèreté aussi, dans la joie. Peut-être qu'il y a un projet dans le passé en fait qui vous rapportait plus aussi de légèreté que des inconvénients. Alors un projet ça apporte des inconvénients, mais pas que. Hein. Il y en faut, mais pas trop en fait. Vous voyez, s'il y a un déséquilibre, s'il y a trop d'inconvénients, bah, voilà, c'est sûr que ça apporte pas de joie ni de... Mais là, il y a un retour à la légèreté. C'est beau. Voilà. De ce que j'ai. Les inconvénients, des blocages, il y en aura toujours. Mais ça doit toujours être dans l'équilibre, vous voyez. Si ça fait 8 ans que vous êtes dans des blocages, c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais on ne doit pas rester dans des blocages éternellement, vous voyez. Ça ne doit pas être des... Alors oui, on peut avoir des problèmes financiers parce que on ne sait pas, parce que... Oui, mais tout doit... En fait, on doit récupérer vite. Enfin, je ne sais pas si je suis très compréhensible. J'ai la tête dans la lune. Ah là là. Allez, alors on va prendre un message. Oh bah il y en a trois. On est gâtés aujourd'hui donc avec l'oracle des amoureux. Le premier message c'est celui-ci. Union sacrée, honore et chérie ta relation. Donc dès à présent, honorez dès ce week-end, honorez votre union. Votre union est sacrée, honorez-la. Honorez aussi la personne de votre cœur, honorez-vous l'un et l'autre. Chérissez votre relation car elle est véritablement sacrée. Ici. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie, mais aussi de l'amour. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est beau. Très beau. Ok. Ensuite, on va prendre, donc pour terminer, un message avec ce magnifique oracle. On va voir... la personne de votre cœur, le lien, et vous à droite. Et on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre. Alors, on y va. Alors, ici, je peux avoir votre lien, le lien qui est instable. Alors, ce qui occasionne un lien instable entre vous et cette personne, c'est son entourage. On peut influencer cette personne positivement, pas positivement, dans l'équilibre, dans le déséquilibre, plus dans le déséquilibre. Plus dans le déséquilibre. Hein. En tout cas, on essaye d'apporter une influence, son grain de sel, de sable. En fait, il y a une influence. Voilà, on est influencé et ça rend les choses très instables. Ça rend cette personne instable
Parce que cette personne, par l'influence des autres, essaye de trouver sa propre stabilité, en fait. Vous voulez dire à cette personne que c'est la personne de votre cœur qui a la clé de votre cœur. C'est dans le passé, vous avez eu un blocage, vous pouviez être en couple. Hein. Et je vois que c'est un entourage qui a bloqué, en fait, qui a rendu trop les choses instables. Qui vous a rendu vous instable et la personne de votre cœur aussi. Peut-être que vous vous en êtes aperçu, mais vous avez gardé le silence. La personne de votre cœur peut-être aussi. Peut-être que ça se reproduit de relation en relation et je vois sur le lien. Il y a un gros silence. Hein. Vous vous parlez plus pour moi, vous communiquez plus. Je vois cette personne qui va se déplacer vers vous. Hein. Et pour moi, il y a des mensonges. Hein. L'entourage de la personne de votre cœur a pu faire une influence. De part et d'autre, et il a pu y avoir beaucoup de mensonges en fait qui ont été dits sur vous. Ou alors sur votre lien, ou sur votre futur lien, ou sur le lien que vous avez eu par le passé. Il y a eu beaucoup de mensonges en fait. Peut-être des mensonges liés de dire qu'en fait c'est vous qui étiez instable, alors que non, en fait c'était l'influence extérieure. Hein. En tout cas, la personne de votre cœur vous rejoint dans ses rêves. Voilà. Vous êtes rien dit lié à ces mensonges, vous n'en avez jamais discuté, lié à toutes les instabilités, hein. Mais là, s'il y a quelque chose qui doit repartir en fait entre vous et cette personne, c'est je pense qu'ensemble, pour votre lien, pour la survie de votre lien, hein, pour votre bien-être, votre santé, pour tout, hein, pour que vous vous sentiez très très bien et en harmonie et en équilibre l'un envers l'autre, il faudra sortir des mensonges, hein, et de l'emprise d'une influence qui est trop forte en fait. Voilà. Voilà, tout ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Chouchoutez-vous durant votre vendredi, samedi, dimanche, durant votre week-end. N'hésitez pas donc à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous retrouve très très vite, soit par message écrit sur la communauté. Voilà, où j'appose mes écrits que vous avez à recevoir. Mais les vidéos aussi. Et donc voilà, je vous dis à très très vite pour les vidéos, les messages écrits, etc., etc. Je vous embrasse bien fort. À très très vite.